Découvert en 2021 dans la saison 5 de Marié au premier regard, Frédéric cherche aujourd'hui l'amour dans Time to Love sur TFX. Très proche d'anciennes candidates du programme qu'il a révélé, le trentenaire a tenu à faire une mise au point au cours d'un entretien qu'il nous a accordé. Commencer une relation amoureuse sans avoir vu son ou sa partenaire? Visiblement, Frédéric n'est pas contre. Et pour cause, en 2021, le trentenaire se lançait dans l'aventure Marié au premier regard. À l'époque, les experts lui avaient trouvé une compatibilité de 85% avec Emeline. Si le couple avait décidé de poursuivre l'aventure ensemble à l'issue du bilan, ils s'étaient finalement séparés quelques temps plus tard. Aujourd'hui, CIST dans Time to Love, diffusé depuis le 28 août sur TFX, que Frédéric tente de retrouver l'amour avec une jeune femme dont il ne va découvrir le visage qu'à la toute fin de l'expérience. Pourtant, cet été, plusieurs internautes se sont étonnés de sa proximité avec d'autres figures de Marié au premier regard. Frédéric fait une grosse mise au point sur sa relation avec d'autres candidates de Marié au premier regard. On m'a prêté des relations avec Cindy, saison 6, note de la rédaction, Maureen, Léa, saison 7. Alors que pas du tout, il ne s'est jamais rien passé, nous a-t-il affirmé dans un grand éclat de rire. Et d'ajouter, Marié au premier regard, CIST une grande famille. On aime passer du temps ensemble. On a vécu la même expérience. Quand je suis avec Yannick ou Clément, de la même saison, note de la rédaction, on ne fait pas d'article disant que je suis en couple avec. D'ailleurs, le Parisien est toujours en contact avec une quantité d'autres anciens du programme, comme Marlène, saison 3, chez qui il était au moment de l'interview, mais aussi Steven, saison 3, Florian, saison 2, Mathieu, saison 5, mais aussi Charlène et Vivien, qui viennent d'annoncer leur séparation. Frédéric est-il toujours en contact avec son ex-femme Emeline? Quant à son ex-femme Emeline, leur relation a bien évolué. On avait coupé les ponts après l'émission parce qu'elle s'était remise en couple directement après. À sa séparation, on s'est vu pour s'expliquer. C'était à peu près un an après. Depuis, CIST est devenu une super bonne pote, nous a-t-il confié. D'ailleurs, CIST par l'intermédiaire d'Emeline que Frédéric se retrouve au casting de Time to Love. À la base, CIST elle qui avait répondu à l'annonce de casting. Un jour, elle m'appelle pour me dire qu'elle a failli refaire une émission pour trouver l'amour mais que les dates de tournage ne collaient pas. Elle n'avait pas beaucoup d'informations mais m'a rapidement expliqué le principe. Je lui ai dit, mais moi sur le coup car j'étais prêt à refaire une émission si ça parlait d'amour et que c'était sincère. Si est-il fou, hein? Nous a-t-il révélé. À défaut d'avoir réussi leur mariage, Emeline et Frédéric ont réussi leur divorce. I just know.